y a 7 bandits qui ont couru pendant l'intervention de la police, que la population a été prise et a été baissée à nous, tout le monde a pris les bois calés. Dans notre direction départementale police Gandoslan et qui est en tête le commissaire divisionnaire Franz Saint-Amand, nous avons salué tous les amis de la presse qui sont présents là avec nous après-midi dans le cadre de point de presse bilan ça que direction a fait jeudi dans le cadre de tout le travail que l'a réalisé et en dans le département. La direction a profité pour lui voir beaucoup de chapeau à la population Gandoslan pour collaboration li, qui permettent que y ait plusieurs opérations que la direction arrivée et réalisée grâce à l'information que la population a partagée avec lui. Bilan ça a couvert la période 18 juillet pour arriver 29 août 2024. Pour la période ça, la police dans le département de Grand-Anse-Lan arrivée fait 110 arrestations. Là-dedans, il y a 73 qui fait son mandat et puis il y a 37 autres qui fait de manière flagrante. Parmi les arrestations, nous avons une voie de fait suivie de blessures qui est 14, association malfaiteur qui est 7, voie de fait simple qui est 20, enquête policière qui est 9, viol 6, menace de mort 10, rébellion à la justice 6, escroquerie 4, vol 10, abus de confiance 5, assassinat 3, tentative d'assassinat 7, incendie de maison 2, trouble à l'ordre public 1, outrage à la magistrature 1, diffamation 1, détournement mineur 2 et sorcellerie 1. Pour ça qui est pour avec brigade protection mineure avec violence qu'a fait tout le monde qui c'est VBG, gagné 67 cas qui traités. Pour viol sur mineur, gagné 2 cas qui traités. Pour tentative de viol sur mineur, gagné 6 cas qui traités. Pour viol sur adulte, gagné 1 cas qui traités. Pour tentative de viol sur adulte, gagné également 1 cas qui traités. Pour voie de fait sur mineur, gagné 15 cas qui traités. Pour voie de fait sur adulte, là nous dit voie de fait sur adulte, nous avons VBG, qui c'est voie de fait qui fait entre deux monde qui vivent sous même droit, mari, madame, gagné 20 cas qui traités. Pour menace de mort, sur encore pour les gens qui vivent sous même droit, deux personnes qui vivent sous même droit, les conjugal gagnent 11 cas qui traités. Menace de mort sur mineurs gagnent 2 cas qui traités. Enfants abandonnés gagnent 5 cas qui traités. Intervention que BPM fait, qui c'est Brigade Protection Mineure, gagnent 4 cas qui traités. Et 4 cas, ça, c'est des cas côté BPM, bail ces gens qui ont en difficulté, assistance. Pour ça qui est pour avec l'autre activité que la police réalise en dans le département ça, nombre de dossiers que SDPJ traité, c'est 23. Et bandits qui arrêté dans la période qui couvre 18 juillet pour arriver à 29 août, c'est 4. Et quantité d'armes qui saisit ou bien récupérées dans la période ça, c'est 6. Et nous prenons plus d'explications, puis devant. Et mission ou bien intervention que la police fait, c'est 88. Patrouille préventive qui réalisé c'est 100, nombre de points fixes 126, motocyclette qui confisquée c'est 2, nombre d'accidents que nous recensé c'est 4 accidents et dans 4 ça il y a 3 c'est motocyclette que yoyé. Sécurisation de manifestation nous gagnons yon. Parmi opérations avec intervention que la police fait le 4 août 2024 après filature, SDPJ arrivait arrêté sur route Bodla, lui Mikael alias Tipaste, parce que monsieur fait partie de groupe gang qui a opéré Canaan. Après SDPJ était fait une cuisine et monsieur, il a joint sur téléphone plusieurs vidéos côté lui-même l'a fait et mené Zach. Dans cas ça, il a déféré dossier hein, par devant la justice poursuite légale. Dans la nuit 9 pour arriver 10 août 2024, SDPJ avec UDMO et policiers administratifs ont mené une opération sous 3 communes en même temps. Nous voulons parler de communes Chambellan, Ansdeno avec Moron.
C'est opération ça mené, c'est dans l'idée pour porter secours à habitants dans zone ça que bandit a fait monter le ciel par d'eau. Dans cadre opération ça, la police qui t'a poursuivi un groupe bandit et bien qui t'est prend bandit ça était prend la fuite et qui t'est prend tomber sous population et bien et population qui était déjà mobilisée, ça qui était pral la cause que gain 7 dans bandi sa yo qui t'a couru pendant intervention la police là que population était prend et était bail ça nous tout on a brûlé bois calé. Et puis même population ça t'est profité bouler plusieurs cailles qui t'est servi cachette dans zone ça pour bandi ça. Dans même opération hein, la police est arrivée et récupérer plusieurs têtes de bétail que bandi ça était volé pour population dans zone nous cette cité là. Dans la nuit 19 pour arriver 20 août 2024, la police menait une autre opération toujours sous trois communes ça. Nous voulons parler de commune Chambellan, Moron avec Ansdenou. Pendant l'opération ça, dans échange coup de balle avec la police, gagné 8 et bandits qui étaient touchés mortellement. Parmi 8 bandits ça, nous gagnons et Monsli Lindor qui c'est chef gang Boudon qui est sous 4e section Chambellan et bien qui était arrivé touché mortellement. Et dans la même opération, ça, la police arrivait saisi 3 armes. Un pistolet taurus et numéro série c'est TFW18456, qui c'est armes propriété de l'État et police nationale d'Haïti. Un pistolet Luger modèle AB et que numéro série illisible avec un fusil d'assaut M4, série 1 c'est PI 02 0621. Comme nous capables constater gagné Zamtao qui déjà devant nous là, c'est ensemble de armes que la police saisit déjà dans statistique là. Nous te dit que la police dans cadre opération li mené soit armes qui saisit avec armes que la police est récupéré li au nombre de 6 et nous pral wè puis devant et trois autres armes yo provenance yo jour qui était mercredi 28 d'août là. Et dans Desormo, qui c'est 3e section sous Dame Marie, gagné 2 individus. Youn pote non Saint-Louis Kenson alias Tikenken avec Ruby Mortumé. Et bien tout de ça fait partie d'un gang qui a opéré dans Desormo. Et bien yoté remettre avec notable dans section ça 3 armes qui devant nous là. C'est un revolver calibre 38 qui gagne numéro de série 6801. Un pistolet 9 mm Luger numéro série A illisible avec un Uzi également numéro série 1 illisible. Ça fait en total et 3 armes que deux messieurs ça été remettre avec et notable dans zone ça. Mais notable yo pas de garder armes là, yo té confisqué, yo té remettre armes ça yo by SDPJ dans Grandance. Et pour le présent moment, nous gagne armes ça qui devant là, ça fait au nombre de 6, la police saisit 3 armes dans opération et gagne 3 armes que deux bandits qui a opéré des hommes remettent à notable qui dans zone des hommes et notable yo même remettre armes ça yo by SDPJ. Vendredi 23 août 2024 là, dans une pompe à essence qui portait dans cette année qui est dans la commune Beaumont, plusieurs amis te chita à Bouegogio. Et là-dedans, ils ont gagné pompiste dans tout qui a vendu gaz qui était là. Malheureusement, il y a un ami qui portait nom Ted Beaublanc qui te mettait une substance dans la boisson et puis li baye pompiste dans la boisson ça. Selon déclaration, bien sûr, que Ted te baye dans SDPJ. Eh bien, il t'a fait comprendre que li te mette en dan boisson ça et sipo heptadine qui te pral sous les pompistes là, ça qui te pral permettre que à Ted, il te profite occasion pour li pote aller 459 000 gouttes qui c'est l'argent que pompistes te vendent pendant journée en dan pompe là. Une fois que direction départementale a été informée, alors il faut nous préciser que monsieur prend la fuite après que le téléphone prend l'agent ça. Une fois que direction départementale a été informée, eh bien, il n'y a pas de printemps, il était informé commissariat dans le sud avec commissariat dans NIP de situation parce que monsieur était guettant en cavale. Eh bien, ça qui était pour faciliter que vous arrêtez monsieur et dans le fond des nègres que nous connaissons qui sont NIP. Sans perdre du temps, direction départementale a été ordonnée SDPJ pour aller chercher monsieur et rapatrier lui dans le département. Une façon pour être capable de remettre les autorités judiciaires pour suite de droit.
En somme, c'est l'ensemble d'activités que la police réalisait en dans le département. Direction a profité pour informer la population que dans l'idée pour continuer à kembe climat la paix en dans le département, série opération sa yo pap campé. Yon façon pour yon capable contrecarrer tout individu mal intentionné qui t'avait une fête des ordres en dans le département. Direction la police là a continué compter sur bon gens collaboration population hein, pendant la dio pas hésiter relé dans numéro nous pral bay la yo pour quel que soit problème yo pour quel que soit information yo vle partager avec la police qui pral permettre que des opérations toujours menées arrêter tout individu qui a bay problème dans le département pour nous qu'a toujours gagner un département qui toujours été et dans un climat la paix. Numéro contact la police qui est disponible 7 jours sur 7 24 heures sur 24 c'est 38 06 55 55 la propre 38 06 55 55 avec 38 05 55 55. Merci.